les tailles, des fois tu boxes des mecs, il se passe la licence. Moi, le mec que j'ai boxé, il a 1-1. Une victoire, une défaite. Et il a jamais boxé depuis. Sauf que ça se trouve, le mec, il a 25 combats. Après, c'est moi, j'ai accepté. Donc, moi, je vais pas me plaindre. Sur le deuxième voyage, j'ai encore d'autres histoires comme ça. C'est moi qui ai accepté ces conditions-là. Donc, je vais pas m'en plaindre. C'est, franchement, c'est des expériences de vie de fou. Tu vois, c'est le truc, c'est un plateau télé. Ouais, c'est, franchement, c'est incroyable. Déjà, quand le mec, il me lance au micro, c'est un truc de fou. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un boxeur en activité, Abdel. Comment ça va, Abdel ? Salut. Écoutez, moi, ça va. Hein. Ça va bien. Alors, t'es en activité, mais t'es, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué parce que je me suis blessé, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. T'en es à peu près dans quelle période de ta blessure, si je puis dire ? Sur la rééducation ? Ouais, voilà, je suis sur la rééducation. J'ai eu 6 semaines de plâtre. Et là, c'est ma deuxième semaine de rééducation. Donc, voilà, petit à petit, il y a des améliorations. Et voilà. Aujourd'hui, on va en profiter pour te retourner dans tes souvenirs. De ton parcours de jeune boxeur, d'athlète, ton parcours d'athlète. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'intitulé de la vidéo, on va parler de ses voyages. Abdel, donc, j'ai entendu la dernière fois qu'on était un peu dans une conférence ensemble que tu avais voyagé pour la boxe, notamment au Japon, et je me suis dit, attends, il faut qu'il nous raconte ça. Parce que le Japon, c'est une culture différente, c'est sûrement une autre façon aussi d'appréhender la boxe. Donc, on va y aller tranquillement. Raconte-moi déjà, tout simplement, dans tes débuts d'athlète, tu as tout de suite fait de la boxe anglaise ? Bon, quand j'étais petit, j'ai fait un petit peu de taekwondo. Mais voilà, je n'ai pas trop accroché. J'ai mon frère qui avait été champion de France de taekwondo. Et c'est vrai que le club où je suis, enfin, dans ma ville, le club de taekwondo, il est assez haut niveau. Voilà. Et moi, donc j'ai démarré par ça, mais voilà, ce n'était pas vraiment mon kiff. Et c'est dès que j'ai démarré la boxe anglaise, j'ai tout de suite accroché. Ok. Et du coup, quand tu commences la boxe anglaise, que tu commences à progresser, est-ce que tu avais déjà en tête qu'un jour tu partirais ? Non, j'avais pas du tout ce truc-là en tête. C'est venu petit à petit, avec le temps. On voit un petit peu comment est la boxe en France. Moi, je veux pas être défaitiste, je veux pas être aller dans le côté négatif, mais c'est vrai que quand on voit les exemples qu'on a, les grands champions qu'on a eu par le passé et les carrières qui n'ont pas eu, hein, ils auraient mérité des meilleures carrières. Bah, au bout d'un moment, on se pose des questions. Quand tu vois la génération 2008 aux Jeux Olympiques. Moi, c'est ceux-là qui m'ont fait vraiment kiffer la boxe. Tu vois, c'était que des gars talentueux. Hein. Quand tu vois des gars comme Zelkir, Andy Nubali, Daoud Asso, etc. Et que tu vois qu'ils passent professionnels, qu'ils continuent à performer, mais qu'il n'y a rien derrière. Enfin, forcément, tu vois, ça amène à réfléchir. Et avec le temps, tu discutes, tu vois que la boxe pro, c'est pas comme ailleurs. Comme à l'étranger, il n'y a pas le même engouement sur le plan, financier. Enfin, comment dire, ce serait, moi, de mon ressenti, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une économie de la boxe ici. Les promoteurs, ils vont blâmer la faute sur les boxeurs français qui ne se boxent pas entre eux. Enfin, pas tous les promoteurs, mais moi, j'entends ça. J'entends les boxeurs aussi se plaindre d'autres choses et ça se rejette un peu la faute, mais moi, pour moi, c'est un peu le système français, c'est de l'associatif, c'est pas du business. Alors ça a des qualités, mais ça a aussi des défauts.
Et en tout cas, le problème, en tout cas, pour ma part, c'est pas la faute des boxeurs. Quand on voit l'envie des boxeurs là pendant le confinement, que ce soit le premier, le deuxième confinement, les gars qui s'entraînaient dehors, qui avaient pas de salle, etc. La motivation, hein, les mecs, ils ont la motivation, le talent, là, il y a des boxeurs français qui ont beaucoup de talent, et je pense que si les mecs, ils étaient américains, ils auraient une bien meilleure carrière, bien meilleure. Maintenant, le problème, c'est les infrastructures, ça suit pas, quoi. En juillet, août, il y a tout le temps, systématiquement, chaque année, la même galère, et je pense que là, plusieurs boxeurs vont se reconnaître sur le fait que les salles, elles sont fermées en juillet, août. Alors, c'est pas toutes les salles, mais il y a plusieurs gars, voilà, ils sont là, ils s'entraînent dehors, ils s'entraînent dans les fitness parks, etc., parce que ils peuvent pas s'entraîner, et c'est pas normal. Quand t'es boxeur professionnel ou même boxeur de haut niveau, le mec qui veut s'entraîner, normalement, il devrait pouvoir s'entraîner. Mais bon. Et voilà, quoi, c'est une petite... Enfin, c'est des réflexions que je me suis faites, et moi, personnellement, en tout cas, je pense pas que les boxeurs soient vraiment les fautifs, parce que voilà, c'est vrai qu'on en demande beaucoup aux boxeurs, et même quand... Comment dire ? Ouais, voilà, c'est ça, tout simplement. Ouais. Donc, toi, tu prends conscience de ça assez tôt, finalement. Tu dis que ça va être compliqué. Comme tu as donné des exemples, les exemples que tu as donnés, pour moi, c'est la génération sacrifiée. Voilà. Ouais, l'après 2000, pour moi, c'est vraiment ça. Donc, tu vois ça, tu te dis, bon, ça va être compliqué. Tu ne te sens pas rassuré. Et donc là, déjà, dans ta tête, tu prends conscience qu'il faudra que tu ailles ailleurs. Bah, en fait, ça ne s'est pas vraiment fait comme ça. Déjà, quand j'étais en amateur, quand j'étais dans mon club, je voyageais quand même un petit peu. J'ai fait quand même avec l'Île-de-France, dans un premier temps, j'ai fait voilà des pays à pays, etc. Des voyages. On partait en Irlande, on partait, je sais pas, en Pologne, etc. Ensuite, j'ai été en équipe de France, et en équipe de France, j'ai aussi fait des voyages, Serbie, Suède, etc. Et donc, tu vois l'international, tu vois un petit peu. C'est pas vraiment là où j'ai vraiment vu la différence, parce que quand tu fais des compétitions ou des pays à pays, tu voyages dans le pays, mais pas vraiment. Quand t'es 5 jours, 6 jours dans un pays, t'y es, mais pas comme les autres voyages que j'ai fait. Les autres voyages que j'ai fait, enfin, je suis vraiment avec les locaux, et t'es là-bas, tu restes pendant une certaine période, et tu prends un petit peu leur mode de vie. Tu t'adaptes, en fait. Parce que l'être humain, je pense qu'il s'adapte à toute chose, donc au bout d'un moment, tu finis par rentrer dans le moule, enfin, même si t'as tes différences, tu rentres un petit peu dans le moule quand même. Et voilà, ce truc là j'en ai pris conscience à mon premier voyage aux États-Unis en 2016. Abdel, juste avant, ouais. Quand tu fais tes voyages avec l'équipe de France ou avec ton club, tu as quel âge quand tu fais ces premiers déplacements à l'étranger ? Mon premier voyage, peut-être 16 ans ou 17 ans. Alors peut-être qu'à ce moment-là, parce que c'est vrai, comme tu dis, t'es quand même avec ton équipe, t'es dans ta bulle, mais peut-être que tu as pris conscience que tu pouvais le faire. Alors de partir, ouais, c'était possible. Ouais, totalement. Ouais, c'est vrai. Et donc tu parles de ton premier voyage aux États-Unis. Alors comment il s'organise, ce voyage-là ? C'est une discussion avec mon coach et avec un autre coach qui est Rachid Alaf. Mon coach, il s'appelle Belker, entraîneur d'Anières. Et je sais plus comment ça s'est fait exactement. Ah si, c'est bon, je me rappelle. Bon, l'histoire, elle est... Ouais, si, c'est bon. Alors, ouais, j'allais oublier ce détail qui est important. Alors, j'avais fait champion de France en 2016 et... En fait, moi, si tu veux, en équipe de France, tu as les numéro 1 et tu as un peu les autres, tu vois, numéro 2, numéro 3 et tout. Les mecs qu'on envoie des fois un peu au casse-pipe, et eux, voilà, toi, quand tu perds, on va te faire une remarque tout de suite, etc. Et donc, voilà, moi, je faisais partie de cela. Donc, j'étais le numéro 2 et à un moment, on m'avait mis numéro 3. Alors que donc j'étais numéro 2 et j'ai fait les championnats de France, j'ai fait champion de France. Et mon entraîneur, il m'a dit, ouais, bah écoute,
toi, on ne t'a pas envoyé à Cuba, on ne t'a pas envoyé là, parce qu'il y a des personnes contre qui j'avais boxé, qu'on a déjà envoyé à Cuba, etc., et contre qui j'avais gagné. Et il m'a dit, écoute, vas-y, moi, je vais t'envoyer aux États-Unis, et voilà, comme ça, tu vas faire ton truc. Et donc, il m'a envoyé aux États-Unis grâce à un contact, grâce à une boxeuse qui s'appelle Marine, donc, que Fred connaît bien. Et en fait, elle m'a dit, écoute, tu peux venir, pas de problème, et tout ça. Et donc, je me suis mis en relation avec elle. Je suis parti aux États-Unis un mois et demi. Et après ça, je suis revenu et j'ai fait les ceintures Montana. Et cette année-là, j'ai fait le doublé, j'ai gagné champion de France et ceinture Montana. Ah ouais, une très belle année, dis donc. Tu avais 21 ans, c'est ça à peu près? Je devais avoir quoi, 22, 23, je ne sais plus. Ok. Et, donc, une belle année pour toi. Ouais, ça a été une belle année. Surtout qu'en plus, je crois que j'ai pas fait beaucoup de combats, j'ai fait 8 combats cette année en amateur. Et sur les 8 combats, j'en ai gagné 6. Les deux que je perds, c'est deux juges à un face à deux internationaux et c'était des combats serrés et dont le combat face à l'Espagnol en Espagne sur un tournoi. Moi, je le prends au premier tour, je perds deux juges à un. Il y a des petits trucs, il y a des petits côtés noirs, tu vois, sur le fait que tu regardes le pointage, enfin, tu regardes le comment dire. Il y a 3 juges, un français, un espagnol, un russe. Tu perds 2 juges à 1. L'espagnol te met perdant. Le français te met perdant, mais le russe te met gagnant. Et le français te dit pour moi, tu gagnais, mais tu sais, t'es chez toi et tout. Enfin, t'es chez eux et tout ça. Moi, je t'ai mis gagnant. Ouais. Le français m'a mis perdant. Et il m'a dit qu'il m'a mis gagnant. Tu vois, il m'a dit que c'était lui qui m'avait mis gagnant. Mais moi, j'ai été vérifié, c'était pas vrai. Et en fait, donc, je perds sur ce tournoi. Tu vois le truc? Et donc, je perds sur ce tournoi. Et en fait, ce tournoi, on m'a envoyé. En gros, comme j'ai fait champion de France, j'ai gagné les Montana. On m'envoie, moi, j'ai demandé, à ce qu'on m'envoie pour, enfin, à ce que je puisse boxer et que le meilleur gagne après, tu vois, pour les Jeux Olympiques, etc. Et donc, on m'envoie et moi, comme je perds au premier tour contre ce gars qui fait médaille d'or, et après tous les autres combats, il gagne 3 juges à 0, on me dit, écoute, on t'a laissé ta chance, tu vois, et t'as perdu au premier tour. Ouais, mais moi, c'est 2 juges à 1, il y a aussi ce truc-là, et voilà, quoi. Bon, après, ça, c'est pas... c'est la boxe, hein, ça, c'est du passé, c'est ce qui s'est passé en amateur, etc. Mais... Ce que je trouve aussi un peu dur, c'est que ça se trouve, l'arbitre, tu vois, il t'a mis perdant, parce qu'il avait peur qu'ils disent « Ah, comme il est français, il va mettre gagnant le français, après je ne vais plus pouvoir venir arbitrer en Espagne. Ouais. » Il y a ça aussi, tu vois. Donc, ce n'est pas juste. Et en France, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'arbitrage. Alors moi, je ne vais pas être un anti-arbitre. Il y a des bons arbitres, il y a des mauvais arbitres, comme tout. Hein. Mais c'est vrai que ça tue un peu la boxe, hein, l'arbitrage. Enfin, quand tu as le public... Tout le public qui te dit, ouais, là je parle pas de moi, hein, je parle en général, mais quand tu as tout le public qui a eu une décision ou qui se dit, ouais, un tel l'a gagné et que le mec il est pas chez lui, tu vois, bah, c'est bizarre un peu. Là je parle pas de moi, hein, je parle sur la boxe en général, mais des fois c'est vrai qu'on a vu des décisions en boxe, que ce soit en amateur et en professionnel, qui dégoûtent. Il y a plein de mecs qui ont arrêté la boxe à cause de ça. Malheureusement, tant qu'il y a un jugement humain, pourra pas faire grand chose. Tu peux pas, même sur des combats de très haut niveau, hein, Pacquiao contre Horn, il y a des bas, contre Tim Bradley, il y a des bas. Donc il y a des combats où, tu vois, même à ce niveau-là, il y a du vol. Donc, et comme tu l'as bien dit, à ce niveau-là et aussi à l'étranger, parce que là, on parle pas de la France, tu vois. Donc c'est vrai que, comme tu dis, c'est des rapports humains, mais le système, on pourrait quand même l'améliorer. Ouais. On va revenir quand même à l'axe des voyages. Après, pourquoi pas après revenir pour parler toi plus de la boxe, de l'État, tout ça. Mais j'aimerais vraiment qu'on parle de tes voyages parce que je pense qu'on va avoir des choses à développer et j'aimerais que tu t'exprimes vraiment là-dessus. Quand tu te retrouves aux États-Unis, du coup, donc là, on pense pas du tout à ta carrière et les performances que tu as fait parce que tu as fait des très belles performances cette année-là. Mais j'aimerais que tu me dises un peu
comment un jeune boxeur, donc déjà tu es aidé par ton coach, donc c'est bien, tu as déjà un coach qui t'a permis de, voilà, ouais, de dire bah, écoute, les autres ont eu ces voyages, toi tu ne l'as pas eu. Ouais. Et bah, au lieu d'être en mode bah, tu as vu, tu as réussi sans avoir fait ça, parce que certains auraient pu te dire tu as réussi sans avoir fait ça, c'est-à-dire que c'est bon, tu n'as pas besoin. Non, il t'a dit va récupérer cette expérience, va la rajouter parce que tu as eu le talent de les battre. Et imaginons que tu avais eu les voyages en plus, tu aurais été encore meilleur. Moi je pense que c'est dans cette idée-là qui t'a fait ça. Ouais. Mais toi, du coup, il faut aussi, ben, il y a ton entourage, t'es jeune. Comment tu gères tout ça, les amis, la famille? Comment ça va? Ça se fait facilement? Alors, quand on voyage, je pense que les gens ils vont être d'accord avec moi, mais quand tu voyages sur une longue période, bon là, c'était un mois et demi. Donc pour certains, ça peut paraître long. Pour certains, c'est beaucoup. Et ouais, oui, pour certains, pour c'est d'autres, énorme. C'est pas long. Mais surtout quand t'es dans un autre continent, quand t'es en Amérique ou quand t'es en Asie, il y a beaucoup de différences avec la France. Et tous les jours, tu les vois, ces différences-là. Donc, il faut t'habituer. Alors, au début, quand tu arrives, tu as une espèce d'euphorie parce que voilà, c'est nouveau, tout est différent et tout. Mais après, au bout d'un moment, tu repenses à la famille, tu repenses aux amis, tu repenses à plein de choses. Et c'est vrai que tu peux avoir des fois des coups de blues. Moi ça m'est déjà arrivé hein. Sur ce voyage là ça m'est arrivé je sais plus peut-être donc le voyage il a duré un mois et demi donc peut-être au bout de 3 semaines et ouais sur d'autres voyages aussi ça m'est déjà arrivé. Dans ces cas là quand t'as eu un peu les coups de blues, comment tu t'es remotivé? Alors déjà faut savoir que quand même à notre époque c'est différent d'avant hein, quand on compare, je sais pas moi, mon père quand il est venu du Maroc et qu'il est venu en France, il y avait pas WhatsApp, il y avait pas les appels vidéo, il y avait pas tout ça, même les conversations de groupe quand tu discutes avec tes potes et tout, donc ça atténue franchement, c'est plus facile maintenant, mais voilà, comment j'ai pu faire, ouais, bah, en discutant avec des amis, etc. Après t'as le décalage horaire aussi qui est important parce que quand t'es aux États-Unis, ouais, pour moi, aux États-Unis, c'est le mauvais décalage. Parce que quand tu es aux États-Unis, quand c'est le soir, que tu rentres chez toi et que tu vas appeler ta famille, bah, eux, ils dorment. Tu vois? Donc, c'est mort. Donc, tous les soirs, tu peux pas appeler ta famille. Tu vois? Et c'est le soir que tu vas appeler tes potes, tes amis, enfin, ta famille, etc. Alors que quand tu es en Asie, bah, c'est le soir, bah, c'est bon. Tu vois, tu peux les appeler. Et donc là, ça, honnêtement, ça passe plus facilement. C'est plus facile. Ouais. Ok. Et juste avant de partir, ça n'a pas été un problème pour ta famille. Ils t'ont laissé partir aux États-Unis un mois et demi. Ça s'est bien passé. Bah, la mère, elle s'inquiète toujours un petit peu. Hein. La maman s'inquiète toujours un peu. Après, moi, je suis un peu têtu. Et de toute façon, ils savent que ce que je fais, j'aime ce que je fais. Donc, non, ça va. Ça va. Ma mère, tout le temps, ouais. Ma mère, si je l'écoutais, je ne serais jamais parti. Dans aucun des voyages. Ouais. Elle n'aurait pas pu t'empêcher de partir, même si elle t'avait dit. Non. C'est, voilà, elle me le dit juste comme ça parce qu'elle ne veut pas que son fils soit loin d'elle, mais non, sinon, non, non. Ouais. D'accord. Ok. Donc, du coup, ça, c'est ton premier voyage. Donc, c'est pour toi, ouais. T'en reviens avec lui. C'est une bonne expérience. Ouais. Donc, tu es satisfait. Et déjà, là, tu te dis. Je veux repartir. Alors, ce voyage-là, il a été très important pour moi parce que j'ai vraiment vu la différence entre la boxe aux États-Unis et la boxe en France. J'ai mis les gants avec, avec des Américains, avec des Mexicains, etc. Et tu vois que tout n'est pas pareil. Tu vois que, déjà, tu vois que c'est beaucoup business, que ça coûte cher les salles de boxe parce que nous, on ne se rend pas compte. Mais quand tu payes 200 euros l'année, c'est rien du tout, 200 euros l'année. C'est rien du tout, tu vois. Alors, il y a des gens qui, oui, ils n'ont pas les moyens, etc. Mais il y a des aides aussi en France, hein. Y a, tu vois, même pour le sport, etc. Et voilà, tu as des endroits au Japon, je payais pratiquement 100 euros par mois, 80 euros par mois. Aux États-Unis, je ne me rappelle plus combien je payais par mois. En plus, tu payes le coach aussi. Tu payes la salle et le coach. Parce que c'est du coaching privé. Après, les entraînements aussi, c'est pas pareil parce que le coach, il est focus que sur toi. Ça existe, enfin, peut-être que ça existe, mais moi, je l'ai pas vu. Le truc de, comme en France,
un entraîneur s'occupe de 20-30 personnes, alors que aux États-Unis, il s'occupe de 2-3 personnes ou une seule personne. Tu progresses plus vite. Il n'y a pas de cours collectif, c'est ça. Aux États-Unis, ouais, il n'y a pas de cours collectif. Ouais. Enfin, de ce que j'ai vu, moi, hein, de ce que j'ai vu, de mon expérience, c'est, voilà, c'était ça, c'était que des cours de manière individuelle. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, bah, la boxe, c'est comme ça, en fait. C'est un sport individuel et c'est comme ça que tu progresses. Quand tu as 30 personnes, tu ne peux pas dire à l'autre, « Ouais, bah, en fait, ta droite, elle n'est pas bien mise comme ça, l'épaule, elle ne passe pas bien. » Tu peux vite fait, mais en fait, le temps que tu passes, c'est 5 minutes sur chaque tête. Tu vois, et en ayant un peu entraîné aussi dans ma salle, bah, je le vois que ce n'est pas pareil. Et moi, je préfère largement entraîner une à deux personnes ou trois personnes qu'entraîner 20 personnes parce que tu peux pas être, t'es pas sur du spécifique, tu vois, t'es pas sur ses lacunes à lui, sur ses trucs, t'es sur du global. Et ça rejoint la boxe en France qui est associative, qui est, tu vois, pour un sport de masse, y a beaucoup de gens, etc. Pour entraîner tout un groupe, quoi. Donc, du coup, on peut dire que ça fait partie des choses qui t'ont manqué quand t'es revenu en France. Ah ouais, bah franchement, quand je suis revenu, je voulais que repartir. Ah ouais. Et en plus, voilà, j'ai vu quoi comme fight là-bas quand j'étais là-bas la première fois. Je me souviens plus, mais la première fois que je suis parti à New York, j'ai pas vu de combat. Voilà, tu spares avec des mecs, tu vois des champions, tu vois comment ça s'entraîne. Je sais pas comment dire, mais c'est tout est plus carré, plus professionnel. Tu sens que c'est professionnel. C'est pas professionnel, c'est à l'arrache. Tu vois, mecs qui sont là, ils mettent les gants. Tu sais même pas si c'est. Tu sais, quand tu vas faire du sparring, des fois, t'as un mec qui met du 12, t'as un mec qui met du. Tu vois, les tailles, ils s'intéressent pas à ça. Tu vois, les gars, ils s'en foutent. Bon, après, c'est pas dans toutes les salles, mais en général. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que je veux dire. Et aussi, bah, je me suis fait un petit kiff là-bas. Je suis allé à Philadelphie, j'ai monté les marches de Rocky. Un petit montage avec la musique, avec les trucs, parce que, tu vois, j'ai commencé la boxe grâce à Rocky et à Hippo. Et c'est marrant, parce qu'en fait, les deux trucs sur lesquels j'ai commencé, bah, j'ai été dans les deux endroits, tu vois. Donc, ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et franchement, c'est mortel. Pour certains, ça peut juste être, ouais, il a monté des marches. En fait, non, moi, c'est Rocky, je l'ai vu... Je les ai vus des dizaines de fois. Tout le temps, je me l'ai tapé tout le temps, depuis la troisième, encore, tu vois. J'espère que t'as vu mieux comme film de boxe depuis. Hein. j'ai vu la plupart des films de boxe. Mais Rocky, si tu veux, c'est pas vraiment sur... Enfin, on le sait très bien, les combats, c'est exagéré, c'est des coups comme ça et tout, c'est un peu du n'importe quoi. Mais dans l'histoire... je trouve que c'est réaliste un peu quand même. Tu vois, quand tu regardes l'histoire des Rocky, ça t'apprend plein de choses. Et tu vois, la phrase dans Rocky Balboa, Rocky 6, rien ne frappe plus fort que la vie, etc., quand il fait son monologue, c'est vrai. Tu vois, et il y a plein de... Tu peux en tirer des choses en regardant ce film. Des leçons de vie, voilà. Chaque Rocky, c'est une leçon de vie. Donc du coup, toi... Ce voyage aux États-Unis, ouais, c'est un truc, c'est une consécration. Toi qui, Rocky, c'est quelque chose qui te motive. Je pense que de temps en temps, même, tu dois te remater des Rocky pour te motiver. Tu es aux États-Unis, tu te fais le kiff d'aller à Philadelphie, donc tu profites d'être là-bas. Donc voilà, c'est quelque chose qui va aussi te donner de l'énergie pour la suite. Donc quand tu vas revenir en France, tu es boosté par cette énergie. Est-ce que techniquement aussi, on peut dire, et même au niveau de ta discipline, il y a des choses que tu vas garder après? Ah, bien sûr. Ouais, je pense que tu prends tes expériences. Tu vois, quand tu mets les gants, enfin, c'est ma vision des choses, mais quand tu mets les gants avec un mec, lui, il a son expérience qu'il a acquise dans sa salle et dans les autres endroits où il a fait du sparring. Toi, tu as ton expérience. Et après, ça fait un petit peu une fusion. Tu vois, tu prends un petit peu des... je sais pas, moi, s'il va mettre, il va faire ça, il va mettre sa gauche comme ça, tu vas dire, ah, mais attends, il m'a touché comme ça, donc ce coup-là, il est bien, je vais peut-être le reprendre, etc. Alors, tu gardes ta boxe à toi, hein. Mais il y a des petits trucs où ça peut t'inspirer, tu vois, et donc, moi, je trouve ça intéressant, et c'est vrai que
L'entraînement à l'américaine, ouais, moi je trouve qu'il est que c'est plutôt pas mal, que c'est différent. Et ça montre encore une fois la différence entre la boxe là-bas et la boxe ici, où certains vont être moins techniques. Alors, t'en as qui sont très techniques. Hein. Moi, j'ai mis les gants avec des. Il y a deux gars dont je me rappelle qui étaient très techniques. Il y en avait un qui se faisait bloquer à chaque fois nationalement par Shakur Stevenson. Donc, c'était. Ouais, il se faisait bloquer par lui au championnat. Il est invaincu là, il doit être à 7-0. Il s'appelle Khalid Twaiti. Et t'en as un autre qui est le neveu, ouais, c'est ça, le neveu de Roman Gonzalez, et qui a vaincu aussi. Et voilà, les deux, c'était des boxeurs qui étaient très techniques. Mais c'est vrai que le truc qui se démarque là-bas, c'est qu'ils sont tous puissants, ils frappent tous. Je vois avec les mecs avec qui je mettais les gants, ça soit. Nous, le gars qui va être technique vraiment sur les mouvements en contre-attaque et tout, il va peut-être être moins percutant, tu vois. Alors, pas tout le temps, hein, mais c'est vrai que ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ouais, les boxeurs là-bas, ils frappaient tous et de toute façon, ils travaillent de cette manière-là. Et nous, la boxe en France, je pense, comme on est beaucoup influencé par la boxe amateur, eh ben, on a cette différence au niveau de la boxe. Et, alors, c'est beau à voir, hein, c'est technique, c'est styliste, tout ça. Après, ça dépend des boxeurs, parce que tu as aussi des boxeurs qui sont comme ça, qui sont bourrins et qui vont rentrer dedans. Mais c'est vrai que c'est différent. Et sur un combat où tu es sur du 10 rounds, 12 rounds ou même 8 rounds, bah, tu n'as pas besoin. Enfin, le mec, il peut débiter. Et moi, je dis ça alors que j'ai une boxe plutôt aérienne, tu vois. Mais eux, ils vont travailler sans cesse le crochet droit ou tel coup pour le frapper fort. Et tu as besoin d'en mettre qu'une, hein, des fois, en boxe pro. Donc, c'est vrai que c'est différent. Tu sais quoi, ce que tu me dis là, ça ne m'étonne même pas. Parce que je pense que tu le sais, toi. Sur cette période où toi, tu étais aux États-Unis, les Américains, ils ont complètement délaissé la boxe olympique. Ils n'en ont plus rien à fiche. Et ça ne m'étonne même pas que tu aies remarqué qu'ils aient une boxe beaucoup plus dure, beaucoup plus professionnelle dans les clubs. Parce qu'en fait, ils n'en ont plus rien à fiche d'envoyer des jeunes en amateur. Alors qu'en France, on a quand même cette idée d'envoyer des jeunes à l'international, faire des médailles et tout. Donc, on a une grosse culture de la boxe éducative et de la boxe amateur. Donc, ça ne m'étonne même pas ce que tu dis là. En France, la boxe amateur, elle a son importance. Aux États-Unis, moins. Et au Japon, moins, voire limite pratiquement pas. Au Japon, tu peux passer pro sans avoir fait de combat amateur. Tu vois, on voit dans Hippo. On a toujours vendu fou dans Hippo. Hippo, c'est exact. Tu vois ce que tu vois dans Hippo, 80%, c'est vrai. Tu vois, nous, quand on regarde Hippo avec un œil français, on se dit, mais attends, ça, c'est pas possible. Ouais. Tout. Alors, normal, tu fais un examen. Mais c'est exactement ça. Tu fais un examen, un truc écrit et tout, vraiment. Tu vois, c'est vrai, ce truc-là. C'est ouf. Du coup, je reviens. Ah oui, je voulais te poser une question sur la culture américaine. Toi, en tant que Français, en tant que jeune, est-ce que tu t'es confronté à des difficultés sociales, tu vois, par rapport aux gens, par rapport au sortir? Je pense à l'âge que tu avais, tu as peut-être voulu un peu profiter, sortir, tout ça. Est-ce que voilà, t'as rencontré des difficultés à la salle ou à l'extérieur? Alors, mon premier voyage, je parlais pas trop bien anglais. Donc, il y a eu la barrière de la langue. Ouais. Mais après, bah, à force, tu vois, ça rentre dans la tête et c'est fou, mais comment dire, enfin, à force d'entendre de l'anglais, bon, au bout d'un moment, ton cerveau, il se met un petit peu en anglais. Genre, tu vas lire les chiffres, tu vas, dans ta tête, tu ne vas pas dire 4, 8, tu vas les dire en anglais. Tu vois, plein de choses comme ça. Je pense que des gens qui voyagent vont comprendre ce truc-là. Et c'est pareil, même pour les chiffres japonais, tout ça, tu vois, au Japon et tout. Et il y avait la barrière de la langue. Ensuite, bon, moi je suis quelqu'un quand même d'assez, on va dire, réservé, tu vois. Je suis pas un extraverti. Alors, ça peut être vu comme un défaut, alors qu'en fait, c'est un trait de caractère. Quand tu regardes sur Internet des vidéos sur ça, c'est un trait de caractère. Il y a l'introverti et l'extraverti. Hein. T'as sorti de ta zone de confort alors? Ouais, donc ça m'a sorti de ma zone de confort, totalement.
Et il y en a pour qui, voilà, ils vont avoir plus de mal. Mais par contre, moi, la solitude, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur. Je peux rester... le premier confinement, ça m'a... Je m'en fiche, tu vois. Et il y en a, ils peuvent péter un câble. Chacun est différent, tu vois. Donc, moi, mon expérience, ce que je vais dire, pour certains, ça va leur parler. Enfin, je pense que pour la plupart, ça va leur parler. Et pour d'autres, ils ne vont pas le vivre pareil. Parce que on est pas pareil. Et voilà. Mais après, il y a des similitudes. Enfin, comme par exemple, le fait que quand tu es aux États-Unis, tu as l'impression, quand tu parles avec les gens, ils te boostent à mort. C'est un truc de fou. Tu as l'impression que tout est possible, que tu vas réussir. C'est un petit peu comme ils disent American Dream, tu vois, le rêve américain. Mais c'est en fait sur l'état d'esprit, tu vois. C'est possible, tout est possible. New York, je crois que c'est la ville, il me semble que j'avais vu, c'est une des villes où il y a le plus de millionnaires dans le monde. Et il y a plein de gens qui ont réussi. De toute façon, Fred, il peut te le dire, hein, mais lui, il a côtoyé des gens qui étaient blindés et qui ont réussi. Et c'est faisable, c'est possible. Alors qu'en France, et Paris plus particulièrement, sur ça, on a une mauvaise mentalité. Et même sur le rapport à l'argent, tout ça, il y a tout un mauvais truc. Tu vois, par exemple, quand je fais un combat et que je touche tant d'argent, qu'est-ce que je m'en fous de le dire ? Ouais, bah, j'ai pris 2000 euros, j'ai pris 1000 euros, j'ai pris tant d'argent. Il y a cette gêne un peu sur l'argent, sur ces trucs-là, et sur plein de choses. On est bloqué sur pas mal de choses, et c'est dommage parce qu'en France, on a énormément de talents, que ça soit dans le sport, que ça soit, je sais pas moi, dans le milieu du cinéma, dans plein de choses. Et en fait, bah, les mecs, ils se cassent à l'étranger. T'en as qui se cassent à l'étranger, t'as des mecs qui sont, moi j'avais vu le mec qui avait inventé, attends, je sais plus c'était quel truc, espèce de jetpack là, que pour aller dans l'eau là, je crois que c'était un truc comme ça, le mec c'était un français et qui te fait voler là au-dessus de l'eau, où tu vas sur l'eau, qui projette de l'eau là, hein, ouais, voilà. Et le mec c'était un français, et en France c'était pas accepté son truc, et il est parti aux États-Unis, ça a marché, tu vois, et maintenant il y en a en France. Mais c'est plein de choses comme ça où, en fait, on est bloqué. Moi, j'ai déjà vu un mec DJ, ça, c'était à mon deuxième voyage, qui discutait avec un autre gars. Il lui a laissé sa carte et genre l'autre, c'était un bête de boss, tu vois. Il a discuté comme ça et il a pris sa carte. En France, est-ce qu'il aurait pris sa carte? Je pense pas. Voilà, plein de choses, franchement, plein de choses. Moi, il y a un coach, avant, je ne savais pas que c'était un grand coach. La première fois que je suis là-bas, je lui dis, est-ce que tu peux filmer mon sparring et tout ? Il dit, ouais, pas de souci, il a filmé les 6 rounds. Le mec, il a sorti 19 champions du monde. 20, je crois, maintenant, 19 champions du monde. Il s'est occupé d'Arturo Gatti, il s'est occupé de plein de grands champions comme ça. Le mec, il a filmé les 6 rounds comme ça sur mon téléphone, il n'a rien dit. Et c'est vrai qu'il passe ce truc où, moi, je trouve que... alors, ça va être bizarre ce que je vais dire, il se la raconte moins. Dans le sens où ils vont pas, ils vont rester. Tu vas être dans la salle, tu vas être avec des mecs qui ont de l'importance, tu vas même pas le savoir. Il va pas te, tu vois. Voilà. Faire ressentir la différence sociale. Ouais. Ouais. Ah, d'accord. Et toi, en tant que Français, comment t'étais perçu ? Déjà, faut savoir que la France, elle a la cote un peu partout. C'est bizarre. Dès que tu dis que t'es français, ouais, Paris et tout ça, il kiffe un peu, donc voilà, tu sors un petit peu du lot. Alors après, à New York, on m'a dit qu'il y a un petit peu une image négative des Français. Enfin, en fait, ceux qui c'est bizarre ce que je vais dire, mais ceux qui connaissent les Français, ils vont avoir peut-être un a priori négatif parce qu'ils ont eu des expériences négatives. Pas forcément, je vais pas être dans le clash anti-français, mais ceux qui connaissent pas les Français, ils vont un petit peu l'imager, tu vois, ouais, le romantisme, ils sont galants, ils sont gentlemen, ils sont tous ces trucs-là, surtout au Japon. Voilà, bah c'est pas une image négative, hein. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, t'as parlé d'un deuxième voyage, c'était aussi aux États-Unis ? Alors, si tu veux que je fasse dans l'ordre. Ensuite, il y a eu l'Angleterre en 2017. D'accord. Donc, je suis revenu après, tout ça, etc. Il y a eu l'Angleterre. L'Angleterre, alors,
ça aussi, c'est bon, c'est à partir de 2017 où les galères elles ont un peu commencé. Donc j'ai été dans une salle qui est quand même connue en Angleterre, c'est la salle Gallagher, où en fait c'est la salle où il y a Amir Khan. Amir Khan il est plus là-bas, mais il y a Callum Smith, il y a le mec avec qui je parais, il s'appelle Paul Butler, il a été champion du monde de IBF, il y a Krola, il y a comment il s'appelle l'autre qui a boxé Lomachenko, qui a boxé même ils se sont boxés deux fois avec Linares. Ah mais non, c'est Krola, ouais, non, qu'est-ce que je raconte. Ouais, il y a Krola et il y avait un autre, ouais, ouais. Et voilà, tu vois, il y a Natasha Jonas, tu vois, c'est la dernière qui a boxé, même si c'était un combat un peu équilibré avec Katie Taylor. Très bon combat à la fin, très bon combat. Ouais, donc c'était une grosse salle. Et en fait, je suis parti en n'étant pas sûr que le mec va m'accepter. Et donc j'arrive. Déjà, la petite galère, c'est que je me fais arnaquer sur le Airbnb. J'arrive avec mes valises et tout seul. Hein. Je suis tout seul là-bas. Et en fait, je vois un grand Renoir, balèze, cicatrice. Il me dit rentre, tu vois. Donc, je rentre. Et tu sais, sur le Airbnb, c'était une meuf, tu vois. Donc, c'était une Renoir. Et il me dit, ouais, assis-toi, faut que je te dise un truc. Je dis, comment ça? Il me dit, ouais, bah écoute, je t'ai fait arnaquer. Elle, c'est mon ex. Elle a piraté les trucs. Enfin, je sais plus ce qu'il me dit et tout. Nan. Et tu vois, il ferme la porte. Moi, j'étais pas serein. Je suis tout seul avec lui et tout. Je me dis, on sait jamais, il se passe un truc de fou. Je suis dans les faits divers et tout. Et au final, on a arrangé le truc et tout. Mais le logement que j'avais payé, bon, j'ai été remboursé, mais j'avais pas de logement après derrière. Et après derrière, je voulais pas prendre un Airbnb. Donc, parce que voilà, ça m'avait fait une mauvaise expérience. C'est sûr, donc, c'est sûr. J'ai logé après à l'hôtel, je suis resté 3 semaines en Angleterre et voilà, donc ça m'a fait des frais en plus. Et donc j'arrive dans cette salle, Gallagher, et en fait le mec il m'accepte pas. Il me dit non, enfin je lui avais envoyé un message, je sais même plus comment le truc s'était fait parce que je suis en 2017, entre temps tu verras, j'ai d'autres choses à raconter donc. Je me souviens plus de tout exactement, mais en gros ouais, le mec il m'a pas accepté au début et j'étais ouais voilà, je crois que j'étais parti en discutant avec Hassan Endam et parce que je le connais un petit peu comme j'ai été un petit peu à Levallois et donc j'ai discuté avec lui et je lui ai dit ouais bah écoute ils m'ont pas accepté tout ça nanana, il m'a dit ok t'inquiète, décroché son téléphone et après ils m'ont accepté. Franchement, Hassan Endam, malheureusement, il y a des gens... Enfin, tu sais, des fois, tu lis les commentaires, tu lis des trucs, ils se la racontent, ou je sais pas quoi. Pas du tout. C'est vraiment... les boxeurs qui ont une mauvaise image, c'est marrant, hein, ils ont une mauvaise image, mais en vérité, c'est vraiment des bons gars. C'est comme Tony Yoka. C'est des mecs qui ont dit, ouais, ils se la racontent, ouais, je sais pas quoi. Alors que les gars, ils ont fait des gros combats, ils ont pris leur argent et tout. Et en fait... C'est vraiment des bons gars. Tu parles avec eux, ils sont tranquilles, ils se la pètent pas, ils sont normal, quoi. Donc voilà, j'ai été accepté. Qui t'aide à pouvoir rentrer dans cette salle. Exactement. Et du coup, alors après, donc, ils disent ok, vas-y, rentre. Donc voilà, je suis dans la salle. On me dit ouais, bah viens tel jour, telle heure t'entraîner. Je crois qu'ils me testent direct en sparring et met face à Paul Butler qui a été champion du monde de IBF. Et je crois qu'il devait boxer Karim Garfi à un moment. Après, ça ne s'est pas fait. Je fais un premier sparring. Ça se passe bien. Je reviens. Et pendant 3 semaines, je suis son sparring. Je spare avec lui. Et un petit peu aussi avec Natasha Jonas qui a boxé Katie Taylor. Quand tu spares, comme ça, tu es payé ou pas? Non. D'accord. Non, moi, personnellement, je n'ai pas été payé. Peut-être qu'il y en a qui ont été payés, mais en tout cas, tous mes sparring que j'ai été aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, non, j'ai pas été payé, ou en Thaïlande. D'accord, ouais. D'accord. Donc, 3 semaines, ça a été très bien. Hein. J'ai pu voir comment s'entraînent des champions du monde, parce que c'est quand même une grosse salle, il n'y a que des champions. Ils sont 6 ou 7 dans la salle. Et c'est que des champions. Il y a des gars qui ont boxé soit Linares, soit Lomachenko,
les frères Smith, Callum et l'autre, Liam Smith, les deux ont boxé à Alvarez. Ça a été cool et j'ai eu une bonne entente en plus avec le coach. Donc, c'est cool. Ouais. Et là, du coup, nouvelle expérience, culture un peu différente, les Anglais. Quelle nuance tu peux avoir Alors, moi, je ne suis pas trop attiré, on va dire, par la culture anglaise. Je n'ai jamais été vraiment attiré par la culture anglaise. La culture américaine, à travers les séries, les films, etc. Donc, je pense que c'est un peu tout le monde. Ça fait rêver un peu tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Par exemple, pour les États-Unis, être à Times Square, c'est un truc de ouf. Tu vois, la première fois quand tu es à Times Square, tu peux être dehors, il est je sais pas quelle heure, les lumières elles sont allumées, c'est impressionnant à voir. Et l'Angleterre, non, j'étais à Bolton, donc c'est une petite ville et tout, il y avait rien de particulier, et ça a été mon voyage qui a peut-être été le plus dur. Je sais pas sur le terme. En fait, j'étais vraiment tout seul dans ce voyage-là. J'étais tout seul et je m'entendais avec les boxeurs. Mais voilà, une fois que je sortais de la salle, c'était fini. Moi, je suis quelqu'un un peu introverti, je vais pas trop aller vers les gens non plus. Donc voilà, c'était dur. J'étais vraiment seul ce voyage-là. Ça a duré 3 semaines. Mais les 3 semaines, je les ai ressentis comme comme 9 semaines d'un autre voyage que j'ai fait, par exemple. Pourquoi tu penses que ça a été particulièrement long, du coup, ces conditions? Parce que tu disais que tu es quand même un profil solitaire, tu es quelqu'un d'introverti. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait pour toi que l'Angleterre, est-ce que ça peut être le climat? Est-ce que ça peut être l'ambiance avec les gens? Déjà, je ne suis pas attiré par ce pays. Donc, je pense qu'il y a... Il n'y avait pas un plus, tu vois. Et dans la ville où j'étais, il n'y avait rien. C'était la galère. Donc, il n'y avait rien en dehors de l'entraînement, il n'y avait rien de spécial. C'est tout. Il n'y avait rien pour t'aérer l'esprit, pour avoir. Tu vois, de ce voyage, à part la boxe, j'ai pas de souvenir vraiment de ouf particulier là-bas. J'ai vu Amir Khan deux fois. Mis à part ça, j'ai pas un gros souvenir comme la Thaïlande, comme le Japon, comme les États-Unis qui m'a marqué vraiment, tu vois. Ok. Ouais. Du coup, donc, retour en France. Et là, c'est quoi tes ambitions pour les prochains voyages? T'es déjà en train de réfléchir à la suite? Ouais. À ce moment-là, tu te dis pourquoi pas vivre à l'étranger? Tu te poses cette question? Ouais, cette question, je me la suis posée plusieurs fois. Et plusieurs fois, j'ai essayé de passer par l'étranger parce que quand tu vois comment c'est ailleurs, alors tu vois, on dit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Sur la boxe, si. Et il y a beaucoup de boxeurs qui, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Japon et tout, qui taffent et qui boxent. Tu vois, ça, faut pas se dire, t'es aux États-Unis, donc tu vides ton sport, etc. C'est pas tout le monde, tu vois. C'est, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a trop cette image que la boxe aux États-Unis. Oui, c'est un truc de ouf, mais il y en a plein qui galèrent. Et quand tu regardes en détail, tu vois, Internet, tu peux tout trouver. Quand tu regardes en détail, par exemple, les bourses, des fois, dans les sous-cartes de gros combats, ils prennent pas des trucs de ouf. Hein. C'est des sommes, c'est pas des sommes incroyables. Pourtant, des fois, c'est des gars qui sont quand même connus. Et quand tu enlèves le pourcentage à l'entraîneur, le pourcentage là, il reste... tellement d'argent. Donc voilà, ouais, c'est cette question-là, je me la suis posée plusieurs fois et c'est vrai que en fait, quand tu rentres en France, surtout après voilà, avoir été aux États-Unis, t'as pas la même saveur, t'as pas le même truc. Aux États-Unis, c'est la classe quand t'es boxeur. Tu vois, quand t'es un boxeur, je sais pas, on te voit avec un casque, avec un truc. On te dit, ah, t'es un boxeur, on discute avec toi. Moi, j'avais un t-shirt Rocky, le mec, il vient et il enclenche une conversation. Tu vois, les gens, ils te connaissent pas, ils viennent, ils te parlent, tu vois. En France, si un mec, il vient, il dit, j'aime bien ton t-shirt ou tes baskets, c'est qu'il va t'embrouiller derrière, tu vois.
Donc c'est pas les mêmes ouais, c'est pas les mêmes délires. Du coup, alors après, là tu en es à deux expériences, une expérience vraiment positive, on va dire, et une expérience un peu plus mitigée. Ouais. Et là, est-ce que tu te dis, ben, je vais repartir pour les États-Unis, vu que tu avais une bonne expérience, ou tu commences à envisager d'autres voyages ? Quand je suis revenu, j'ai fait un combat WSB, en Angleterre en plus. D'accord. Donc j'ai fait mon premier combat WSB. Bon, le premier, je l'ai perdu. J'en ai fait deux en tout, le deuxième, je l'ai gagné derrière. Et donc voilà, en gros, j'étais en Angleterre, je suis revenu, il y a eu rapidement un combat WSB. Donc je suis reparti en Angleterre, c'était à Londres, j'ai fait le combat, et après quand je suis re-rentré en France, ouais, je crois que depuis 2016, j'ai toujours ce truc de ouais, vas-y, faut que je reparte telle date, etc. Et bon, après moi, les choses, je les garde pour moi, tu vois. Je vais pas le dire avant, ouais, bah je prépare ce voyage où je vais aller là. Faut savoir que moi, le moindre oseille que j'ai, je le mets et je me dis, vas-y, ça va me servir pour la boxe et je vais le coffrer. Si je compte là tout ce que j'ai dépensé sur chacun de mes voyages, tu vois, c'est un investissement, c'est comme on en parlait l'autre fois. Franchement, je suis à plus de 20 000 euros, normal. Je taffe pas. Tu vois, je fais des trucs à droite, à gauche, je sais pas, des cours de boxe ou des trucs comme ça et tout pour avoir un petit peu d'argent, mais je taffe pas. Moi, je m'achète pas de ça, je m'achète pas de trucs, je m'en fous. Tu vois, je suis vraiment focus sur la boxe. Donc, voilà, c'est des choix de vie et franchement, ça me dérange pas du tout. D'accord, d'accord. Donc, ouais. Du coup, alors, tu avais déjà cet état d'esprit-là à ce moment-là, donc en 2017 à peu près, c'est ça ? 2017, ouais. Quand tu reviens d'Angleterre, tu avais déjà cet état d'esprit, je mets mon argent. Surtout après le premier voyage aux États-Unis. C'est ça, en fait, c'est un élément déclencheur. Okay, et les États-Unis, ça fait rêver. Et alors, le troisième voyage, ça va être pourquoi ? Pour où ? Le troisième voyage, c'était la Thaïlande. Rien à voir. Moi, j'avais une image. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des a priori et des clichés. Il y a des clichés sur la Thaïlande. Tu vois, ouais, la cité, la prostitution, les trucs comme ça. Franchement, c'est un pays magnifique. Et moi, j'avais des a priori sur la Thaïlande. Et j'ai un pote qui me dit, qui est boxeur pro aussi, qui me dit, ouais, bah écoute, il y a un plan pour la Thaïlande, un camp d'entraînement, est-ce que tu veux y aller, tout ça, là, là. Moi, le premier truc que je lui dis, ah, la Thaïlande, ça m'intéresse pas, tu vois, pour voir d'autres Français, la cité, des trucs comme ça et tout, c'est pas trop mon délire. Il me dit, mais non, t'inquiète et tout. Et je le dis à mon frère, et mon frère, il est déjà parti plusieurs fois en Thaïlande. Il me dit, écoute, vas-y. Et moi, je me disais, bah, la Thaïlande, c'est la boxe thaï. L'anglaise, c'est vrai qu'il y a des gars en anglaise dans les petites catégories. Il y a des champions. Et donc, je me dis, bah, écoute, vas-y, je vais aller. Il y a un camp, il y a un truc et tout. Donc, je vais y aller, je vais essayer de boxer là-bas. Et donc, je suis parti avec mon pote Samad Ferdaoui, je le cite. Et on est parti. Ça a été peut-être une des plus belles expériences de ma vie. Alors en fait, t'es vraiment un boxeur à 100%. Et je pense que là, ce que je vais te dire, je l'ai même pas retrouvé aux États-Unis ou au Japon. T'es dans un camp, tu te réveilles, tu t'entraînes, tu manges, tu t'entraînes, tu dors. C'est comme si tu dors dans la salle d'entraînement en fait, parce que t'as le logement. Nous, c'était le logement au-dessus. Et en dessous, c'est la salle de boxe. Alors, le camp, c'était un camp de boxe thaï. Donc, on faisait nos entraînements en anglaise et après, on faisait nos sparring, on allait ailleurs. Et le camp, c'est un camp qui était réputé parce que c'est un gars qui s'appelle Dédé, le Max Sport Gym. Et ce camp-là, en fait, c'est les meilleurs Français en boxe thaï, ils vont là-bas. Tu vois, et le mec, il a sorti les meilleurs gars en boxe thaï. Moi, la boxe thaï, moi je suis un passionné de boxe anglaise, donc tout le reste je regarde pas, et quand je regarde j'ai l'impression de tromper mon sport. Tu vois, tu peux me dire le basket, le foot, j'arrive pas à être à fond sur un autre sport et à avoir de l'intérêt. Donc en vérité, ça
ça m'intéresse pas plus que ça. Après, j'ai du respect, hein, et c'est un sport qui est très dur. Et j'ai, franchement, j'ai vu des choses là-bas en boxe thaï. Les mecs, ils sont très, très courageux. Ils acceptent de boxer pour pratiquement rien et ils s'arrachent la tête. Et donc, on part là-bas. Et vas-y, donc on se dit, écoute, c'est un camp de boxe, boxe thaï, mais nous, on va faire nos entraînements à nous. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, mes entraînements, je m'entraîne deux fois par jour. Mes entraînements le matin, je m'entraîne tout seul. Et je fais mes entraînements tout seul à chaque fois. Donc, encore une fois, la solitude et s'entraîner tout seul, il n'y a pas de souci. Tu vois, je peux faire mes trucs et tout. Ce qui m'a impressionné, donc on était avec des mecs, il y avait d'autres mecs en boxe thaï, ils s'entraînent énormément. Ils s'entraînent franchement 6 heures, 7 heures par jour, tous les jours. Tu me dis, comment, c'est ouf. Et en fait, c'est deux sports différents. Il y a des moments où c'est plus calme, et il y a des moments où ça monte un peu plus. L'anglaise, on est sur de l'intensif, sur du court intensif. Et tu peux pas mixer les trucs. Enfin, tu faut que tu t'entraînes à ta manière. Donc au début, un petit peu têtu et hargneux, moi et mon pote, on veut s'entraîner autant et on s'est entraîné autant, tu vois. Mais on l'a fait à notre manière. Ça veut dire que pendant une heure, j'allais répéter ce mouvement. Pendant une heure, j'allais faire ça. Et on s'entraînait vraiment. Bah ouais, c'était la période où je me suis le plus entraîné. On s'entraînait énormément. Et ce qui est bien, c'est que la Thaïlande, c'est un pays qui est pas cher, vraiment pas cher. Et tu peux manger des fruits frais, des trucs, tu vois, tout est frais, naturel. La récupération, ça coûte pas cher du tout aussi. Donc, non, c'est top. Franchement, c'était vraiment top. Qu'est-ce que tu entends par la récupération ? Bain froid, les trucs comme ça, sauna, les massages. Tu te fais masser pour 5 euros. En France, les massages, si tu veux faire un truc pour la récupération, comme tu dis, il faut aller voir des kinés, un peu des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu as vu une différence en allant chez des masseurs ou masseuses traditionnelles et que quand même, c'était... parce que tu sais, on parle de médecine asiatique. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la médecine asiatique. Est-ce que tu as trouvé que bah, justement, du coup, le massage traditionnel, c'était proche de nos massages kinés ici ? Non, pour moi, c'est pas pareil. Je me suis fait masser en France, pas le même nombre de fois, mais je peux avoir quand même un comparatif. Et le massage thaï, c'est quand même un massage qui est réputé. Ils appuient avec leur coude et tout, elles ont de la force sur leur dos et tout, c'est incroyable. Et bah, franchement, pour la récupération, c'est top, c'est vraiment top. Tu te rends compte, tu payes 5 euros, on se faisait masser toutes les semaines. Ça veut dire que ton corps, tu peux le fatiguer plus que la normale, tu vois, parce que ici, les charges d'entraînement que je faisais là-bas, ici, je me serais blessé, c'est sûr. Parce que là-bas, je faisais massage, allez, une à deux fois par semaine, plus je faisais de la récupération, du bain froid, il y avait bain froid, sauna, hammam, tu payes 2,30 euros, je crois, le truc, tu vois. Donc, non, franchement, t'as tout. Un athlète, c'est pour moi le top, parce que c'est comme un boxeur américain qui serait dans un espèce de camp d'entraînement où en fait il pense que boxe, il y a que la boxe. T'es là, tu t'entraînes, t'entends le coup de sifflet, il y a la gamelle, il faut aller manger, t'as une cuisinière qui te prépare à manger. Franchement, c'est une des plus belles expériences que j'ai pu faire là-bas. Et en plus, les sparring, j'ai eu quand même des sparring de qualité, parce qu'il y avait j'étais dans une salle où en fait l'entraîneur, c'est quelqu'un qui a boxé Pacquiao. Donc, s'il me semble, c'est la première fois que Pacquiao devient champion du monde, c'est contre lui. Pacquiao, il l'a mis KO. C'est un Thaïlandais. Et voilà, c'est un bon coach. Et le mec, il a sorti, voilà, il a plusieurs champions asiatiques. Il a, alors actuellement, il a un mec qui est champion du monde en WBA, mais dans les catégories vraiment inférieures. Il avait aussi un autre gars avec qui j'ai mis les gants, mais la deuxième fois que je suis parti en Thaïlande, je suis parti une deuxième fois, qui lui devait boxer un moment. Ça parlait de se boxer contre Oubali en France. Ça ne s'est pas fait. Et lui, il a boxé Takuma Inoue. En fait, il y a deux Thaïs qui... Oubali, alors, là, actuellement, il y a un Thaï
qui est challenger, je crois qu'il est classé numéro 1 WBC. Et c'est pas lui. Lui, j'ai aussi mis les gants avec lui. Bah, mon premier voyage en plus. Ouais. C'est quel poids Abdel, t'es à quel poids toi? Je suis poids coq, la KTN Origin. 53,5. Ouais, ouais. Et donc, ouais, donc voilà, je suis parti. J'ai mis les gants là-bas. Et il y a pas mal de champions asiatiques, etc. Alors le ring, il est minuscule. La chaleur, elle est étouffante. Ça forge. Franchement, ça forge. Et en plus, quand t'es étranger, ils te font, surtout dans ces pays-là, mais je pense que ça, c'est un peu en général, ils te font pas de cadeaux. C'est-à-dire que des fois, tu vas mettre les gants, eux, ils vont tourner, toi, tu restes au milieu. Les mecs, ils cherchent à te fracasser au corps. Au Japon, c'est tombé, j'avais des douleurs au coude parce qu'ils voulaient me casser dans le ventre. Et tu vois, quand tu bloques avec les coudes, laisse tomber, des tendinites et tout. Et ouais, donc voilà, ouais, franchement, c'est des super souvenirs et ça forge. Je me rappelle que j'étais avec mon pote, donc Samad, on arrive, on prend le taxi, on vient d'arriver, le gars dit, vous montez sur le ring. Enfin, moi, il me dit, ouais, tu montes sur le ring tout de suite, ne pas échauffer rien, tu vois. Tu mets les gants, tu mets les trucs, tu boxes. Truc de fou. Bon, c'est des... avec le temps, surtout avec ma blessure, c'est des trucs à pas faire. Mais quand t'es étranger, faut un peu prouver et on se fait pas de cadeaux. Donc en fait, faut montrer que genre, je vais faire ton truc dans tes conditions et je vais quand même réussir, tu vois. Et aussi plein de trucs. Hein, on te donne, enfin on traite pas pareil. Tu vois, moi, il y a eu un moment où j'étais avec lui, mais il y a eu un moment où j'étais sans mon pote. Et quand j'étais sans mon pote, bah, je viens, je suis tout seul, je n'ai pas d'entraîneur avec moi, je n'ai personne qui me donne des consignes. Moi, je mets les gants avec quelqu'un, mais il y a l'entraîneur, tu vois, derrière. On va dire, c'est comme si c'est un stratège. Donc après, pour la fois d'après, ouais, bah, écoute, il faut que tu mettes cette droite comme ça, il faut que tu mettes ce crochet-là. Moi, je suis tout seul et je dois de moi-même réfléchir. Ok, donc j'ai fait ça, là, ce n'est pas trop passé, donc maintenant, il faut que je fasse ça, il faut que je travaille comme ça. Et en fait, ça t'apprend à être débrouillard et autodidacte. Et entre-temps, je suis rentré en France. On m'a appelé pour le deuxième combat WSB. D'accord. Je suis rentré en France j'avais pris beaucoup de poids. Si tu veux, ma KT, c'est 53,5. Moi, je suis dans les 56 à peu près, je fais 56, donc c'est pas énormément de poids à perdre. Et justement, voilà, sur le poids. En France, on nous dit qu'il faut être bien au poids, etc. Pas prendre trop de poids parce qu'après tu vas être fatigué et tout. Moi, j'ai pas la. Enfin, en termes de poids, moi j'arrive. Après, c'est pas un problème, hein. Je suis à 55. Le mec, il a 60, tu vois. Et c'est un 53,5. Des trucs comme ça, ils sont toujours plus lourds. Donc, je sais pas si, comment dire. Bon, après, peut-être que les gens ils vont pas apprécier ce que je vais dire, hein, mais je sais pas si être tout le temps prêt. Aux États-Unis, ce qu'on m'a dit, voilà, on m'a dit les Français, vous êtes toujours prêts. Quelqu'un qui est toujours prêt, il est jamais prêt. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et eux, ils se préparent. Tu vois, ok, il y a une échéance là, on se prépare de telle manière. Alors, c'est bien d'être toujours prêt. Si on t'appelle quelques temps avant un combat, bah, t'es prêt et tu peux faire le fight. Mais est-ce que, je ne sais pas, un mec qui naturellement est à 62, un poids comme ça, il va souffrir pour le poids pour descendre à 53,5. Mais sur le ring, il ne sera pas à 53,5, il ne sera pas à 55, pas à 56. Est-ce que la frappe, elle ne va pas se ressentir, tu vois? Est-ce que la différence au niveau de la morphologie, ça ne va pas se ressentir? Quand tu regardes des champions, Canelo Alvarez, on prend même l'UFC, Khabib, comment il souffre pour faire ses pesées. Pourquoi les mecs ils font ça, tu vois? Forcément, c'est que ça doit donner un avantage. Alors après, ça dépend des boxeurs. Je pense que Mayweather ou Pacquiao, c'est pas des mecs qui reprennent énormément de poids. Et voilà, je pense que même regarde quelqu'un comme Nordine qui est champion du monde, enfin qui a été champion du monde. Je pense pas que c'est quelqu'un qui monte super lourd, tu vois. Comme j'ai vu d'autres monter à 63 kilos. Et ça, je l'ai vu en sparring. Je voyais, je mettais les gants. Je vois, c'est pas le même gabarit. Je regarde, après, tu sais, quand je regarde la vidéo, alors, il n'y avait pas de souci sur le sparring, ça se passait bien et tout.
Mais quand je vois le gabarit, je me dis, c'est pas le même gabarit. C'est pas, on n'est pas dans la même caté, c'est pas possible. Et voilà, quoi. Et juste, alors, ça a un peu coupé quand tu expliquais par rapport à ton poids. Tu disais que tu avais pris du poids. Et après, j'étais Ouais. En fait... T'étais à quel poids quand tu es parti à ton combat? Tu avais pris du poids? La WSB. Alors, en fait, quand je suis arrivé en Thaïlande, donc moi, je suis un 53,5. Mais comme je t'ai dit, je fais 55, 56. Au début, et ça me le fait bizarrement à chaque voyage, je perds beaucoup de poids. Tu vois, sur le début, je perds du poids et genre, mon poids, je suis au poids de combat, en fait. Tu vois, je sais pas, peut-être mon corps, il s'habitue, il me faut quelques semaines. Et après, je monte. Mais je monte plus lourd que quand je suis en France. Et là-bas, j'étais dans les 59. Ouais, j'étais à 59. Et le combat en WSB, c'est 52 kilos. C'est pas 53,5. Donc, ce 1,5 kg, il fait toute la différence. Et en fait, j'ai galéré pour faire le poids, surtout le dernier kilo. Genre, je me rappelle que à quelques jours avant du combat, t'as un entraîneur national, il me dit « Ouais, ça va, il te reste 1 kilo, je crois, en 2 jours, un truc comme ça. Tu vois, il y avait un autre boxeur qui était en 81 kilos, qui, lui, il avait perdu assez facilement, tu vois, le poids. Et moi, le 1 kilo, il voulait pas descendre. Je m'entraînais 2 fois par jour, mais tranquillement, à quelques jours du combat pour perdre le poids. Je ne descendais pas et je ne mangeais pas et tout ça. Et donc après, quand j'ai fait la pesée, j'étais complètement vidé et j'ai repris 4 kilos, mais sans rien faire, sans forcer. Tu vois, il y a 4 kilos qui ont été repris. Je me dis, si moi, je prends 4 kilos, je comprends comment d'autres champions ils prennent plus. Tu vois, parce que je ne me suis pas goinfré. J'ai mangé normalement, mais en fait, le corps, il n'en pouvait plus. Et même quand j'ai parlé avec le médecin de l'INSEP, il m'a dit 52, c'est trop bas. C'est trop bas pour toi. C'est pas bon. J'avais des trucs à pas faire, tu vois. Mais j'avais une grosse migraine la veille du combat. J'étais pas bien et tout. J'étais complètement déshydraté. Ouais, complètement. Et après, je fais le combat. WSB, c'est 5 rounds. C'est sur 5 rounds. Et donc, ouais, au final, je gagne le combat. Et je me rappelle qu'au quatrième round, j'ai un gros coup de comme une... Tu sais, il n'y a plus d'énergie d'un coup qui vient, tu vois. Et après, vas-y, le cinquième, je le fais à la hargne. Et donc, voilà. Mais après, ça, c'est... Il faut être... comment dire, c'est... On va dire que c'est de ma faute. Il faut que je sois prêt. Il faut que je sois bien préparé. Mais bon, après, quand on t'appelle 10, 15 jours avant, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que tu disais, tu parlais du coup du fait d'être toujours prêt. Pourquoi, pour toi, tu le vois un petit peu comme pas forcément un avantage? Moi, je répète ce qu'on m'avait dit, mais tu vois, genre les boxeurs français, vous êtes toujours prêts, donc vous n'êtes jamais prêts. Ça, j'ai entendu. Et du coup, avant, ouais, mais... comment t'en es arrivé à penser, enfin, comment ça s'explique ça pour toi? Je sais pas, mais tu peux pas être bien préparé toute l'année, en fait, c'est ça que tu veux dire? Si, moi je pense que tu peux être toujours bien entraîné, mais au moment du fight, normalement, tu es censé augmenter le curseur, tu vois. Et je pense que eux, leur différence, c'est que quand ils sont pas en fight, le curseur il est peut-être un peu en dessous, mais dès qu'ils partent en prépa pour un fight, ils montent bien le curseur, tu vois. Alors je sais pas, hein, ça c'est des suppositions. Mais c'est vrai que les boxeurs français, moi je trouve qu'on est, ouais, on s'entraîne dur et que on a pas mal de qualités et surtout avec les moyens qu'on a, en fait. Alors certes, au Mexique, en Thaïlande ou je sais pas où, ils ont les salles, elles peuvent être délabrées, tout ça, mais ils ont le droit de s'entraîner dans une salle, tu vois. Nous, on a des belles infrastructures, on a des super trucs. Mais en août, on te dit non, c'est mort parce que y a pas de gardien, parce que c'est le mois d'août, il y a pas d'entraînement et tout. C'est la municipalité, tout ça. C'est quoi laisser les gens s'entraîner. Le mec qui veut s'entraîner, il faut le laisser s'entraîner. Sécurité, tout ça. Et ouais, et donc après, je suis revenu en Thaïlande. Là, c'est le premier voyage encore, hein, parce que j'ai fait le combat WSB. Vu que j'ai gagné, j'ai repars. Je me suis dit, vas-y, je vais terminer
Ouais, parce que j'étais têtu. En fait, moi, je voulais pas partir de la Thaïlande tant que j'avais pas boxé. Je voulais combattre là-bas, tu vois, je voulais cette expérience-là. Et donc, la WSB m'a appelé, donc je suis parti de la Thaïlande, mais je me suis dit, non, vas-y, je repars, tu vois, je veux combattre. Je suis parti, donc je suis revenu. Et j'ai trouvé un plan, le mec, il a flippé sur moi, il m'a dit, mais comment t'as trouvé le truc ? Je me suis déplacé dans le siège d'un truc de promotion. Et je lui ai dit, écoutez, tu sais, comme dans les films, je viens avec mon sac. Écoutez, moi je veux mettre les gants, s'il y a moyen de mettre les gants, je veux boxer, je suis motivé. Et le mec il a flippé, il me dit, mais ici c'est pas la salle d'entraînement, c'est le siège ou je sais pas quoi, comment t'as trouvé et tout. Je dis, moi je suis là, je suis en poids coq et tout ça, donc je lui explique le truc. Il dit, je vais en parler avec l'entraîneur, la salle elle se trouve là, et puis après il me contacte, il me dit, viens à la salle tel jour, tu vas mettre les gants. Alors on me fait mettre les gants. Et là, le mec, c'est celui qui est challenger. Je crois que là, il est numéro 1 WBC. À un moment, il était numéro 2, mais il me semble qu'il est numéro 1. Celui que Nordine devait potentiellement boxer en France. Tu vois. D'accord. Nawapun, je sais pas quoi. En plus, les Thaïlandais, ce qui est marrant, c'est que selon les pays, le système de promotion, on va dire, il est différent dans le sens où... aux États-Unis, ils vont chercher le zéro, tu vois, jusqu'à aller au moins une quinzaine de combats, une dizaine de combats. Et ils vont monter des jeunes boxeurs, tu vois. Ils vont les faire boxer face à des mecs bidons. Donc, quand on entend en France, ouais, les Français boxent des boxeurs bidons. Ouais, mais quand tu regardes aux États-Unis, ils boxent aussi des boxeurs bidons. Tu vois, c'est pas que en France, ce truc-là. Et une carrière, on va dire que ça se gère. Et quand t'entends, voilà. Bon, après... Voilà, je ne vais pas rentrer dans une polémique. Mais en Thaïlande, ils font. C'est bizarre. On va dire que la WBC, elle n'est pas. Ils ont beaucoup des titres un peu bidons WBC. Tu vois ? La WBC, c'est la ceinture la plus prestigieuse. Mais là-bas, il y a les WBC youth, tu vois, jeunes là, young là, je ne sais pas quoi. Et les WBC Asia, je sais pas quoi et tout. Et en fait, les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils défendent leur ceinture, mais face à des mecs qui ont un combat, deux combats, des trucs comme ça. Et eux, ils ont 50 combats, tu vois. Et je sais pas si ça leur permet de monter dans le ranking ou de rester. Là, BoxRec, je sais, bon, BoxRec, c'est différent, mais je sais que ça a changé son système. Quand tu boxes un mec qui a pas le niveau, je crois que tu perds des points, un truc comme ça. Et, tu peux régresser, ouais. Ouais, et donc les mecs, tu vois, ils ont 50 combats, je sais pas combien de KO, et ils ont boxé aussi beaucoup de mecs bidons, tu vois. Après, ils ont boxé 50 fois aussi. Et je boxe, je mets les gants avec ce mec-là, que je t'ai dit, qui est challenger, je crois, en WBC. Et après, j'étais tout seul, je mets les gants, et le mec, il me dit, bah écoute, je lui dis, moi, je veux boxer, tu vois, je veux combattre et tout. Il me dit, bah, je ramène le promoteur. Pour le prochain sparring, sois prêt. Et voilà, après, c'est lui qui décide si tu boxes ou pas, etc. Tu vois. Donc, deux jours après, je repars. Voilà, là, c'est pareil encore. Hein. Chaleur étouffante. En plus, temps de repos, c'est pas des temps de repos d'une minute. Tu vois, c'est particulier. Et les boxeurs thaï, c'est des boxeurs durs au mal, tu vois, garde serrée et qui cherchera beaucoup au corps, tu vois. Et donc voilà, donc je fais un deuxième sparring. Là, je suis venu avec mon pote Samad. Et on me dit, ouais, donc il y a le promoteur qui est là. Il me dit, bah écoute, le promoteur, il est là. Si tu boxes bien, si tu fais un bon sparring, tu boxes. Si tu fais un mauvais sparring, tu boxes pas. Et ok, bon, il y a la petite pression. Et déjà, ouais, avant le premier sparring, tu sais, j'arrive, j'étais tout seul. Les Thaïs, ils se foutent un peu de ma gueule, tu vois. Ils sont là, ils me regardent, ils regardent mes chaussures, ils rigolent et tout. Et. Tu sais, c'est des petits trucs, ça te met dans un délire, ça motive, tu vois. Et après, ouais. Quand tu mets les gants, tu vois que là, ça rigole plus, tu vois. Donc voilà, c'est un peu motivant. Et donc après, ouais, donc je mets les gants. La deuxième fois, le promoteur, il vient me voir, il me dit, vas-y, écoute, tu veux boxer? Je lui dis, ouais. Il me dit, bah écoute, si tu veux, tu boxes la semaine prochaine dans le truc, dans notre organisation. Le truc, c'était télévisé. Et c'était une des plus grosses chaînes thaï, c'était en direct, WP Boxing, là. Donc, c'est le truc où ils ont
Sisaket, tu vois, le, comment il s'appelle, le mec qui a boxé, qui a battu deux fois Roman Gonzalez. C'est cette promotion-là. Et donc, en fait, je me retrouve à boxer. J'ai mon pote Samad, mais je n'ai pas d'entraîneur. Et eux, ils m'ont dit, on va te trouver un entraîneur, t'inquiète pas, on va te ramener un entraîneur pour qu'il te soigne ou les trucs comme ça et tout, qui parle anglais et tout. Je crois qu'ils ont pris un gars, ils lui ont mis une veste et ils l'ont pris comme ça. C'est un mec qui connaît rien à la boxe et il me fait les bandages, il me fait n'importe quoi. Et moi, je suis en stress, tu vois, je suis dans le vestiaire, je sais pas si tu connais le boxeur Amnat Ruen Wong, là. C'est un champion thaï. Il est connu. Et donc, bref, je suis dans le vestiaire. Il y a lui, il y a d'autres gars. Et il me fait n'importe quoi dans les bandages. Et moi, je commence à... Je panique pas, mais je me dis, attends, je vais combattre. Je tape dans le mur. Je me dis, mais il n'y a rien. Je vais me casser les mains comme ça. C'est pas possible, tu vois. Et après, bah, je tombe sur un autre gars. Et lui, il m'a réarrangé un petit peu les bandages. Mais il avait son boxeur juste après. Tu vois, donc au final, il m'a pas fait... des miracles, tu vois. Et au final, ça allait. Donc, j'ai fait le combat. Déjà, c'était... Ouais, le truc, c'est dans un plateau télé, tu vois. Donc, c'est un truc de fou. C'est une expérience de fou. Je crois que c'est ma... En combat, c'est ma plus belle expérience. Donc, je fais le combat, 6 rounds. Ça se passe bien. Pour moi, je le gagne. Le commentateur, pour lui, je le gagne aussi. Parce que le commentateur, c'est devenu un mec que je connais maintenant et m'a dit, écoute, tu gagnais le combat. Il y a des gens du public qui m'ont dit, tu gagnes et tout. Donc, voilà, même les trucs en direct et tout, parce qu'il était aussi en direct sur Facebook, il y a des gens, ils disent, ouais, j'ai même fait des captures d'écran, genre comme quoi, ouais, l'étranger l'a gagné. Je crois que j'ai été, parce que j'ai regardé après derrière pas mal de trucs, mais on me l'avait dit, j'ai été vérifié, je crois que j'ai été le seul non-asiatique à boxer dans cette organisation. D'accord. Et donc, voilà, ça franchement, ça a fait plaisir. Ils m'ont volé sur la décision. Bon, c'est la boxe quand tu es à l'étranger, etc. Et est-ce que je peux dire d'autres sur ça? Ouais, voilà, ça a été une super... Franchement, ça a été une super expérience. Et c'est des trucs... Franchement, c'est des trucs que tu gardes à vie. Et avec l'argent du combat... Alors là, j'ai une histoire... Aussi, c'est une petite histoire de fou parce que... Toi, je sais que tu aimes bien Hippo. Je me suis dit, vas-y, la Thaïlande et le Japon, c'est à côté, enfin, c'est pas trop cher le billet d'avion. T'as fait ton combat, t'es dégoûté. J'étais dégoûté parce que je me fais voler. C'était mon premier, c'était ma seule défaite en pro. Je me dis, écoute, bah, vas-y, fais-toi un peu plaisir, pars au Japon. Tu vois, je pars 9 jours. C'est ce que j'ai envie de faire là. On est à 1h15. Ah ouais, désolé. Je me dis qu'on les laisse pour une deuxième partie spéciale où on poursuivra l'aventure. Et notamment le Japon, un peu en style principal. Est-ce que ça te va? Vas-y, ça me va. Là, tu sais que je suis que à la moitié seulement. Bah, c'est parfait. Je parle beaucoup, hein. C'était à la moitié. Ouais. Et la suite, partie. Elle est plus intéressante. Bah, attends, déjà, c'était très, très intéressant. On va laisser les gens réagir dans les commentaires. Peut-être qu'ils auront un peu des questions pour toi. Ça pourrait être intéressant à l'épisode 2 de répondre à 2-3 questions qu'on trouve intéressantes. Et puis, on poursuivra cette aventure avec le Japon et Hippo. On aura des choses à se dire parce que je suis allé moi aussi au JB Club, JB Sport. Là, donc, ok. Ça te va, on fait comme ça, Abdel? Nickel. Vas-y. Yes. Et ben, écoute, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Ils vont me détester d'avoir arrêté là. Hein, mais je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.